marchandise destinée au chancelier Settler. Vous l'avez volée au chancelier ? Oui. Vous êtes fou ! J'ose tout ce qui s'y est à un homme qui n'ose plus n'en est pas un. Macbeth. Félicitations. C'est ma mère. Elle avait l'habitude de me lire toutes ses pièces et grâce à elle, j'ai toujours voulu être actrice. Dans des pièces, des films. À 9 ans, j'ai joué Viola dans La Nuit des Rois. Maman était vraiment fière. Et où est-elle aujourd'hui ? Elle est morte. Je suis désolé. J'ai le droit de parler de votre discours à la télé ? Oui. C'est ce que vous pensez ? Au mot près. Vous êtes sûr que faire exploser le Parlement, ça va vraiment améliorer la vie dans ce pays ? Il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. La seule chose dont vous pouvez être certain, c'est que ceux qui viendront finiront avec les fameux petits sacs noirs de crédit sur la tête. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Et vous pensez y arriver en faisant exploser un bâtiment ? Le bâtiment est un symbole, tout comme le fait de le détruire. C'est le peuple qui valorise les symboles. Isoler un symbole est dénué de sens, mais soutenu par toute une foule, le fait de détruire un édifice peut changer le monde. J'aurais aimé croire que c'est possible. Mais je n'ai connu que le pire, chaque fois que ce monde a changé. Je vais vous dire...